Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. C'est déjà un grand pas en avant, parce que vous savez, ça a duré 13 ans. Je dois vous dire, 13 ans, d'abord 10 ans sous Kabila pour arriver à la loi organique. Ensuite, Kabila s'en va. Aujourd'hui, ça fait 4 ans après, la loi organique n'a jamais été mise en œuvre. Et c'est maintenant qu'elle est mise en œuvre. Et donc, c'est un pas en avant. Mais c'est vrai que il reste beaucoup de défis à lever. Il faut plus de moyens pour la Cour des comptes pour que celle-ci puisse vraiment faire son travail. Oui. Donc, les moyens, par exemple, qu'on a donnés à l'IGF, c'est bien, mais on doit pouvoir donner, si pas plus, au moins les mêmes moyens à la Cour des comptes pour qu'elle puisse travailler. Parce qu'avec 60, une soixantaine de magistrats, voyez un peu le pays, nous avons 26 provinces. La gabegie financière, le manque de transparence, les détournements, la corruption, c'est dans tout le pays. Et donc, il faudra, la loi organique le dit, il faudra déconcentrer la Cour des comptes. Déconcentrer. Mais déjà, donner pas mal de moyens au niveau central, où un travail doit pouvoir être fait correctement. Moi, je pense que même... le président Félix Tshisekedi, que je félicite quand même pour avoir daigné donc commencer à restaurer la Cour des comptes, qu'il se donne comme objectif, par exemple, que à la fin de son mandat, on va avoir au moins 500 magistrats à la Cour des comptes. J'ai dit 500, l'Afrique du Sud en a 2000. En Chine, le nombre de magistrats de la Cour des comptes est 1 million. N'est-ce pas? Parce que c'est un travail énorme à faire et la Cour des comptes a un rôle très très important comme institution supérieure de contrôle. C'est la plus haute institution de contrôle de notre pays. Donc il faut lui donner les moyens maintenant. On parle de 500 magistrats parce que il y a eu 40 magistrats et 11 avocats généraux qui ont été nommés, c'est ça? Pour l'instant, c'est ça. On n'a que ça. Alors imagine-toi un peu un pays comme le nôtre avec cette étendue. 26 provinces qui parfois, il y en a qui sont... Imaginez-vous, par exemple, que la ville de Kinshasa est deux fois plus peuplée que le Congo-Brazzaville. Deux fois plus peuplée. Alors, imaginez-vous, dans un pays pareil, avec 40 magistrats, une soixantaine, prenons globalement, les magistrats assis et debout, donc ceux du parquet, ceux de la cour, une soixantaine de magistrats. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Donc, les félicitations que je peux donner au chef de l'État aujourd'hui, c'est de dire, enfin, il restitue la fonction contrôle dans l'État congolais, il la met à la place qu'il faut en soutenant la Cour des comptes. Bien sûr, il y a déjà l'IGF, c'est un bon pas. L'IGF fait du bon travail, bon, c'est comme toutes les institutions, ils peuvent aussi avoir leurs faiblesses. Maintenant, c'est la Cour des comptes, ça veut dire... Du côté contrôle administratif, nous avons l'instrument donc le plus important dans les contrôles administratifs qui fonctionne déjà. Et maintenant, avec le contrôle juridictionnel, nous avons la Cour des comptes dont la restauration est en cours. Et donc voilà un peu pour l'instant ce que nous pouvons dire. C'est un pas en avant, mais les défis à lever restent encore très nombreux pour la Cour des comptes. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.